La vidéo est choquante, elle fait beaucoup parler ces dernières minutes. À Paris, une petite fille de 3 ans est frappée par sa professeure le lendemain de la rentrée, frappée dans le dos pour tenter de calmer ses pleurs, puis elle est aspergée d'un liquide non identifié sur le visage. Les faits se sont déroulés dans une école du 15e arrondissement de Paris en petite section. Les images ont été enregistrées par une mère d'élèves présente dans la classe ce jour-là. C'est ça qui m'est le plus pour tout vous dire, parce que il y a une mère qui est là et qui filme, et je vais pouvoir interroger dans une seconde, je pense qu'il est avec nous, Philippe Goujon, qui est le maire du 15e arrondissement. Bonjour monsieur Goujon, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le père de la fille a témoigné dans Le Parisien. Ma fille avait pris un coup avant, c'est pour cela qu'elle était en crise et que la maman présente a décidé de filmer discrètement. Et on voit cette institutrice donner un coup à l'enfant en pleine crise de larmes, au point de la faire chuter. C'est vrai que ces images sont extrêmement choquantes, monsieur Goujon. Absolument. Je suis, comme vous, comme tout parent, bien sûr, avant même d'être maire, scandalisé par la violence qui ressort de cette vidéo. C'est heureusement, enfin, sans précédent à ma connaissance, mais nous avons demandé bien sûr aussitôt la suspension de cette enseignante, qui pourtant est une enseignante confirmée, qui était depuis une vingtaine d'années dans cette école, donc il ne peut pas être surprise par les cris des enfants et les pleurs des enfants au lendemain de la rentrée. Et puis bien sûr, l'académie, là je suis avec le recteur de l'académie de Paris justement dans cette école en ce moment même, va mettre en œuvre une procédure disciplinaire bien sûr. Et il y aura peut-être aussi une procédure pénale, puisqu'il semblerait que les parents de cet enfant, à juste titre d'ailleurs, aient porté plainte contre elle. Bon, je vous propose, si vous voulez, d'écouter quelques secondes de cette vidéo, monsieur le maire, que vous connaissez, mais peut-être les auditeurs ne la connaissent-ils pas. C'est dans quelle classe, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est toute petite section, elle a 3 ans, c'est la première année de maternelle. C'était son premier jour de sa première rentrée scolaire de sa vie. C'est d'autant plus grave, évidemment, cet enfant a été très très choqué, ainsi que ses parents. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'Académie a dépêché une psychologue aussi bien auprès de l'enfant, des parents que de la classe. Il y a une psychologue là qui est présente depuis... hier ou ce matin dans la classe, bien sûr, et puis une nouvelle enseignante qui est arrivée hier également. Vous imaginez le traumatisme pour cet enfant, qui est un peu, évidemment, inquiet de la rentrée scolaire et qui, le lendemain de cette rentrée, pour la première fois de sa vie dans une école, subit un traitement aussi ignominieux. Vous disiez que cette dame travaille et était enseignante depuis 20 ans, peut-être dans la même école d'ailleurs, dans le 15e arrondissement, et c'est ça qui peut être... Absolument. Et j'imagine que vous êtes renseigné depuis auprès des parents d'élèves qui ont eu cette maîtresse d'école. Est-ce que c'est un fait qui avait quelques précédents, ou est-ce que c'est un fait unique dans son histoire professionnelle? Ben c'est cela, nous avons bien sûr avec l'Académie étudié sur son dossier, il n'y a aucun précédent, elle donnait toute satisfaction dans cette école. Vous imaginez bien que si cette enseignante enseigne depuis 20 ans dans l'école, c'est que ça se passe très bien avec sa classe de maternelle. Donc il n'y a jamais eu d'événement qui aurait pu faire prévoir ce type d'agissement. D'ailleurs, et les sanctions, cette enseignante ces a été entendue. Pardon. Et les sanctions dans ces cas-là, c'est elle va être radiée, elle peut être. Voilà, c'est ça. Il y a actuellement une suspension, bien sûr, immédiate. Le recteur a signé un arrêté hier ou ce matin, et puis une procédure disciplinaire qui peut conduire jusqu'à la révocation. Ce qui n'empêche pas la mise en œuvre aussi d'une procédure pénale, puisque nous sommes en contact aussi avec le commissariat du 15e qui traite la plainte des parents. Écoutez, c'est tout à fait étonnant, pour tout vous dire, parce que c'est tout à fait étonnant. Je ne peux pas vous dire autre chose, puisque elle était en tout plus institutrice, sans doute de maternelle, première année depuis toujours, cette dame, monsieur Goujon. Absolument, c'est vraiment une très grande professionnelle, c'est son métier. Elle-même qui a été entendue par l'inspectrice de l'éducation nationale du secteur n'arrive pas à expliquer son geste. Elle est elle-même d'ailleurs très très choquée, et fait aussi de soins, parce que
Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est quelque chose d'incompréhensible. Heureusement, sans précédent. Moi, je suis maire depuis une bonne dizaine d'années, donc je n'ai jamais eu affaire à ce type d'événement dans une école, et heureusement d'ailleurs. Ou bien on a un corps professoral, un corps enseignant qui est de première qualité hein, dans nos écoles, et évidemment il y a aussi une équipe scolaire, une communauté scolaire, il y a des agents techniques en maternelle qui aussi sont dans cette classe. Cette enseignante n'est pas toute seule avec les enfants. Il y avait une mère de famille, comme vous le disiez, celle qui a filmé, et qui était là parce que en petite section de maternelle, on laisse entrer parfois un ou deux parents pour rester avec l'enfant pendant quelques heures dans la classe ou quelques minutes. Et puis il y a bien sûr des agents techniques qui sont là pour aussi accompagner les enfants pour des raisons d'hygiène, vous voyez. Donc il n'a aucun moment l'enseignante n'est seule avec ses enfants. Et l'événement s'est produit au-dessus de tous. Comme ça. Monsieur le maire, je vous remercie. Je vous propose peut-être d'écouter le recteur qui a pris puisqu'on revient sur cette affaire, et c'est pourquoi vous étiez avec nous, cette vidéo qui est choquante, qui fait beaucoup parler, une petite fille de 3 ans frappée par sa professeure le lendemain de la rentrée. Le recteur a pris une décision de suspension provisoire, j'imagine, avant une sanction disciplinaire. Je vous propose d'écouter le recteur. Un enfant n'a pas à subir un acte de violence, et surtout pas dans une école. C'est une contradiction radicale. Donc nous prenons les choses très au sérieux. Pour le moment, le dossier de cette enseignante ne relève rien. Elle est enseignante depuis de très nombreuses années, elle est titulaire. Et le dossier qui a été consulté ne mentionne aucun problème de quelque nature que ce soit. C'est ça qui est le plus étonnant, et c'est ce dont on a parlé avec Philippe Goujon. Je vous remercie, monsieur le maire, et passez une bonne journée d'abord, une bonne saison ensuite. Vous intervenez régulièrement sur l'antenne de Europe 1, et c'est toujours intéressant de vous écouter. Merci beaucoup. Nous sommes avec Stéphanie. Stéphanie, pourquoi nous l'appelons Stéphanie? Parce qu'elle a été en contact un jour d'un événement de ce type. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bon anniversaire. Merci. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment, l'anniversaire s'arrête, parce que là, vous savez que c'est le non-anniversaire aujourd'hui, puisque c'était plutôt oui, hier. Bon, c'est pas tous les jours qu'on a Monsieur Prod au téléphone, mais, c'est pour ça. Mais vous êtes très... Surtout que c'est Monsieur Pro, pas Monsieur Prod. Donc... Mais il y a beaucoup de gens qui m'appellent Prod. Ah ouais dire, bah, beaucoup. Bah, par exemple, aux États-Unis, quand j'allais aux États-Unis, on t'appelle Prod. Mais pour qui vous prenez aux États-Unis? Non, mais ça va pas ou quoi? Bah si, mais hein, pourquoi? Et on prononce sous-titre en anglais, Prod, c'est pas Monsieur Prod, comme ça? Prod, Mr. Prod. Mr. Prod. Ah, pas mal, ouais, pas mal. Non, ça vous va encore mieux. Allez, on change. Et je vous avais raconté, je crois que, et c'est vrai, que le monsieur qui s'occupe de mon chauffage, il m'appelle toujours Monsieur Prod. Et je ne lui ai jamais dit Pro. Donc vous n'avez pas osé? Oui, j'ose pas lui dire. Donc, alors, Monsieur Prod, comment ça va alors? Il fait une fois par an, il vient faire la gueule. Monsieur Prod, alors là, je pense que vous avez fait ramener? Je dis, ah ben non, j'ai pas fait ramener. Bah. Bon, écoutez, Monsieur Prod, faudrait que vous fassiez ramener. Bon. Et donc, il m'appelle toujours Monsieur Prod. Vous voulez pas qu'on lui dise, on l'appelle? Il s'appelle Franck. Franck, je l'aime beaucoup. Oui. Bon, je vais le retrouver. Bah, Franck Service. Très bien. Bon, Stéphanie, racontez-nous ce qui s'est passé avec votre fille. Eh bien, quand j'ai vu la vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux là aujourd'hui, j'ai vu ma fille il y a 13 ans. Elle était sujet à des accès de crise comme la petite fille sur la vidéo. Et moi, je me suis permis de répondre à votre question sur Internet, comme quoi si on trouvait ça normal, l'agissement de la maîtresse, et j'ai donné mon point de vue en disant que, ayant eu ce cas, ça m'a choqué, parce que c'est toujours désobligeant de voir un enfant dans cet état-là, et je trouve que la réaction de la maîtresse est... Et malheureusement, ça va pas plaire à beaucoup de monde, correct. Parce que moi, ah oui, vous défendez la maîtresse. Ah bien sûr. Ah non, mais alors là, vous choquez Géraldine Hamon, qui a été professeur avec des élèves, alors un petit peu plus vieux. Oui, alors, mais alors, déjà pas avec un petit bout de 3 ans qui démarre l'école quand même. Enfin, oui, même non, avec mais, aucun non, enfant. Non, non, mais écoutez, moi, ma fille avait 3 ans. Elle était sujet à des crises, à des crises comme on voit sur la vidéo. C'était très compliqué en tant que mère de pouvoir arriver à la calmer. J'ai tout essayé, regarder dans les yeux, lui parler calmement,
On a été des bons parents et tout, mais ça n'a pas empêché qu'elle ait été axée à ces crises. Pourquoi ? Parce que. Et quand vous leviez la main dessus, ça a arrêté la crise, si j'ose dire ? Vous trouvez alors que c'était efficace ? Jamais... Attention, j'ai jamais. Attention. En 16 ans, j'ai peut-être je lui ai donné une fessée, mais je n'ai jamais levé la main sur ma fille. La solution, malheureusement, que j'ai trouvée. C'est un peu contradictoire avec ce que vous nous dites. Puisque, comment ça, contradictoire ? Vous dites que la maîtresse a raison et vous-même, vous ne l'avez jamais fait pour elle votre lui a fille. Donné, imaginez, vous avez une enfant en crise. C'est compliqué. Une enfant en crise qui déjà casse tout. Enfin, je l'ai vu qu'une fois la vidéo, attention. Ah, elle casse pas tout, c'est une petite enfant qui veut pas quitter sa maman le jour de la rentrée. Elle jette tout, elle est en crise, il y a des élèves autour, elle est pas bien. Moi, l'attitude de la maîtresse, je suis désolée. Bon, elle l'a pas. Enfin, je l'ai vu qu'une fois. On n'a pas frappé un enfant. Si c'était votre fille, par exemple, vous n'auriez rien dit. Ah. Peut-être que ça s'est passé et qu'on me l'a pas dit. Hein. Oui, mais si c'était votre fille, par exemple, si c'est votre fille qui est prise à partie comme ça, vous réagissez ou vous dites rien ? Ah oui, vous voyez, vous marquez un petit temps, Stéphanie. Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas. Je pense qu'il faut condamner tout acte de violence sur un enfant. En plus, tous les gens qui connaissent l'éducation, qui parlent de cela, je me souviens avoir eu très longtemps Edwige Antier, d'ailleurs, on pourrait l'appeler Edwige Antier. Ça crée un traumatisme chez les enfants lorsqu'on les frappe. Et un enfant frappé frappera. Donc, moi, j'entends les spécialistes tous disent la même chose. Alors, on peut dire. Dans le temps, on a pris des claques, etc. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Moi, j'avais un prof qui m'avait mis une claque un jour. Prof d'éducation physique. Et on avait 14-15 ans. Et il mettait régulièrement des claques aux élèves. Bon. Mais convenez qu'aujourd'hui, d'abord, c'est plus acceptable, cela, non. Et la méthode violente... D'accord avec vous. Bah, et puis, c'est pas efficace. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire. On a tous des enfants. Géraldine racontait que sa fille... Dans un train, j'ai cru que j'allais la balancer par la fenêtre, excusez-moi. Quel âge elle avait ? Elle avait 2 ans, elle était fatiguée. Pendant 30 minutes, impossible de la calmer. Bah, oui. J'en pouvais plus, vraiment. Bah, oui, on a je sais pas comment ça. Elle s'est calmée, mais c'était la fatigue, c'était plein de choses. Et je me suis dit, mais j'en peux plus, en fait. Mais tout le monde vous regarde. Cet été, moi, j'ai pris le train avec M. Bouc. Une demi-heure, il a pleuré. Il a pleuré en première classe. Une demi-heure, on ne pouvait plus l'arrêter. Non, mais attendez. Mais c'est pas une question de jugement des autres. C'est l'enfant. L'enfant, elle est en crise, elle se fait mal, elle fait mal. Je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas. En plus, quand c'est pas ton enfant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mots. Non, mais là où moi, je ne suis pas d'accord, enfin, là où ça m'a. Après avoir réfléchi, après avoir vu la vidéo, et où j'aurais dû m'intéresser. C'est déjà, il y a une personne dans la salle de classe qui filme la scène. Au lieu de filmer. Pourquoi elle n'arrête pas et elle va pas aider la maîtresse ? Elle voit qu'il y a un enfant en difficulté. Alors ça, c'est la question que je me suis aussi posée, pour tout vous dire. C'est assez juste votre. Non, mais c'est assez juste votre remarque. Non, c'est assez juste. C'est bien beau de filmer, d'envoyer sur les réseaux sociaux et de par cette vidéo qui a été mise sur. On ne va pas revenir là-dessus. Là aujourd'hui, il y a une femme, une maîtresse. Qui se fait, je pense, alpaguer par toute la France qui a vu cette vidéo. Ah oui, personne par les médias, ne va la défendre. Par la ministre qui est sanctionnée. Mais je veux dire, mais vous êtes face à une gamine qui est en crise, vous faites quoi ? Eh ben, vous faites différemment.